il y a un lien important entre les secteurs de sécurité et tous les domaines de la vie. C'est bien que, avant de parler d'un domaine quelconque de la vie, l'on y voit avant tout l'aspect sécuritaire. Et sans la maîtrise de cet aspect-là, il n'y a rien qui peut marcher dans la société. Alors par rapport à ça, le gouvernement congolais a lancé un programme de réforme de son secteur de sécurité, en insistant beaucoup plus sur l'armée et la police. Nous avons des modules de l'éthique et d'ontologie policière. C'est là que nous allons faire inculquer aux apprenants comment ils peuvent se comporter pendant leur mission. Et cela aussi va aider à beaucoup à ne pas tomber dans la tracasserie. Quand on était dans les troupes armées, nous vivons, comme dit Yahvé, voulait que tout le monde puisse vivre. Mais aujourd'hui, je me sens à l'aise parce que je suis dans le gouvernement. On ne peut pas tuer quelqu'un. On nous a enseigné pourquoi de ne pas tuer quelqu'un. Parce que lui aussi avait des droits. Marche ! Aujourd'hui, même la population qui nous voit, lorsque nous faisons des interventions, donc, et même la population sont très conscients que donc, la police a changé l'image. Donc aujourd'hui, nous sommes maintenant des policiers professionnels. C'est bien beau de faire toute cette partie de la réforme, ce qui est bien et encourageant, on applaudit. Mais il faut qu'on pense maintenant à la vie du jour au jour du policier. Dans quelles conditions ce policier est en train de travailler? Dans quelles conditions vit sa famille? Est-ce qu'un policier peut être à même de bien travailler pour la nation quand il sait que chez lui à la maison, ses enfants dorment à peine à l'extérieur? Ses enfants ne mangent pas. Que ce soit la police nationale congolaise, la force navale, la force aérienne et la force terrestre, ce sont des éléments, des FRDC qui dépendent du gouvernement. Alors, nous tous, nous recevons des salaires et c'est à partir de ce peu que nous avons que nous sommes en train de mener notre vie, nous sommes en train d'encadrer nos familles et nos enfants. L'on ne peut pas prétendre aller au développement sans maîtriser d'abord les secteurs de sécurité. Parce que on ne peut pas parler de développement tant qu'il y a l'insécurité. Et donc, il faut d'abord maîtriser celle-là qui s'occupe du bien-être de la population. Et dès qu'il y a le bien-être et sécurité de la population, l'on peut bien planifier le développement, l'on peut bien placer à certains projets impact rapide du développement. Mais tant que l'élément moteur, l'élément primordial, qui est la sécurité, connaît des dimensions non maîtrisables, eh bien, tout ce qu'on peut planifier comme développement restera une utopie.